Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la promotion de l'épisode de Fallout 4. Donc, chers amis, nous nous rejoignons avec le fils Cabot. Nous nous rejoignons donc sur place avec, à mon avis, de l'armement assez intéressant. Allons-y. Une chose doit être parfaitement claire. Nous devons absolument empêcher Lorenzo de quitter... Pierre, psychopathe. Je n'ai pas envie de perdre mon père pour toujours. Pas après avoir fait tant d'efforts pour tenter de le soigner. Non, par contre, mon pote, on va y aller... On va pas y aller à pied, on va y aller... En nous téléportant. Hop. En l'an 2077, le monde a été anéanti par l'arme nucléaire. Très peu de personnes ont réussi à se réfugier dans des abris anti-atomiques. Effectivement, très peu, oui. Oh, l'effet de lumière est assez stylé malgré tout. Bon, par contre, ça c'est moche. Ok. Oula. Effectivement, il y a des cadavres un peu partout. Non, ils l'ont tué! Ah, je l'aimais beaucoup. Ah, c'est vraiment con. Putain. Ah, c'est vraiment con. Mais arrêtez pas ça. J'aurais bien aimé améliorer cette arme avant d'y aller. Apparemment, je n'ai pas vraiment le choix. Les hommes d'Edouard se sont défendus vaillamment. Mais ça n'a pas suffi, malheureusement. Ouais. Nous devons aller dans mon bureau pour évaluer la situation. Non, non. Suivez-moi. Nous devons aller à Parsons. Nous y sommes, mais j'aimerais que tu restes dans ton bureau. Oh putain. Restez près de moi, suivez mes ordres et tout devrait bien se passer. Allons-y. Oui, madame. Bon, c'est parti. Nul n'est plus dur que Jack. Nul n'est plus dur que Jack. Alors. C'est pas de simples pillards. Ce sont des artilleurs. Clé de cellule. J'ignore comment c'est possible, mais cette porte est bloquée de l'autre côté. Il faut trouver un autre chemin. Tu crois vraiment que ça vaut le coup? Regarde autour de toi. Y a rien d'autre que de la poussière et des vieux machins qui servent à rien. T'inquiète. Attendez. Si l'FT a raison et que le nouveau produit vient vraiment d'ici, hey, je peux pas dire que ça vaut vachement le coup. Je crois qu'il y a quelqu'un là-bas. Hé hey. Mon bras. Merde. Il est cassé. Je vois plus personne. À terre. À terre. Hop. Dégage, putain. Voilà. Vous remets. Wow. Je l'ai pas vu venir, je reconnais. En plus, j'ai complètement cliqué sans faire gaffe tout à l'heure, j'avoue. Bon, on recommence. Ok. Bon sang. J'ignore comment c'est possible. Mais cette porte est bloquée de l'autre côté. Il faut trouver un autre chemin. Il me donne un paquet de Steampack, c'est pas bon signe. Tu crois vraiment que ça vaut le coup? Regarde autour de toi. Y a rien d'autre que de la poussière et des vieux machins qui servent à rien. T'inquiète. Attendez. Si l'FT a raison et que le nouveau produit vient vraiment d'ici, je peux te dire que ça vaudra vachement le coup. Comment t'as pu en avoir, toi, de toute façon? Lefty peut pas te saquer. Disons que j'ai rendu service à deux ou trois amis de Lefty et qui m'ont renvoyé la... Et maintenant? Tu fais juste la gueule parce que t'en as pas eu. J'espère que t'as raison. Par contre, il faudra que Lefty apprenne les joies du partage équitable. Ou il y aura pas que moi qui fera la première erreur. Dernière erreur. Et de 1. Dans les idées, toi. J'avais pas vu. Aïe.
Non, c'est bon. Vous êtes sur ma propriété et vous n'avez rien à faire ici. Hop. Je commence à être chaud. Vise la tête. Hop là. Ok. Jusque là ça se passe pas trop mal. Grenade frag on prend. Il y avait une craie dedans, génial. Ok. On y va. Doucement, l'ami. Ok. Plaque chauffante. Ok. Cendrier. Cendrier. Capsule. Porte verrouillée avancée. Intéressant. Hop là. Joli. Des ampoules. Du scotch. Hop. Boîte d'épingle à cheveux, génial. Non, pour ce qui est du reste, c'était pas top, top, top. Hein. Hop, hop. Un petit peu de munitions par contre, ça c'est bien. Hop, hop. Bien joué. Ok. Là. Cartouche, là il y a de l'alcool, là il y a des choses, et même du dentifrice, si c'est pas génial. Ok, et on va au sous-sol, là où on ne devait surtout pas aller. Hop. Ok, pourquoi pas. Edouard, vous êtes gravement blessé? Je respire encore, c'est bon signe. Je ne peux pas me lever, par contre. C'est pas de l'amour, ça, franchement. Oui, je l'ai envoyé au sous-sol avant de le couper, comme vous me l'aviez demandé. Bien. J'en ai descendu quelques-uns avant qu'il décide de me laisser tout seul ici. J'ai vu personne depuis un moment. Enfin, je crois. Oui! Ouais! C'est celle que je voulais! Génial! On perd un peu la notion du temps quand on se vide de son sang. Vous êtes sûr que vous ne pouvez vraiment pas vous lever? J'ai besoin de votre aide. Il me faut le mot de passe. Merde. Sûr et certain. Je vois. Ne vous en faites pas, nous devrions pouvoir nous en sortir à deux. Salut mon pote. Mais ils sont au sous-sol. C'est pas la forme, hein. Je me demande vraiment comment ils ont su contourner. Bref, ça n'a plus d'importance maintenant. Nous allons devoir passer par la partie abandonnée du bâtiment. Qui vous êtes. Plusieurs portes du sous-sol ont été forcées. Mais le champ d'Abrameline semble toujours actif. Il faut accélérer le mouvement. J'ignore pourquoi, mais il semble fermement déterminé à libérer Lorenzo. Eh oui, si tu le dis. Bobine de relais énergétique. Ouh. Le nom me semblait intéressant. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez me dire ce qui se passe ici, oui ou non? Ce n'est plus la peine de vous le cacher maintenant. Je n'insisterai jamais assez sur ce point. L'artefact rend Lorenzo extrêmement dangereux. En plus de lui conférer une force surhumaine et une résistance à tout type de dégâts physiques, il l'a plongé dans une sorte de psychose meurtrière. D'accord. Il maîtrise
une certaine forme de télékinésie très localisée, qui semble projetée par... Oui, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, jusque-là. Assez parlé. Il faut absolument atteindre le sous-sol avant que les pillards ne trouvent le moyen. Alors cependant, il me parle d'un truc bizarre au niveau... J'ai 76 balles de ce machin-là. Je compte bien l'utiliser. On va le mettre à la place du cloneur de balles. On va le mettre à la place du 7. Libérez Lorenzo. Suivez-moi. Faites attention, Jack. Je te suis. Vous aussi. Par contre, tu risques pas d'aller très très loin. Voilà. Ok, où il est mon... Ah 6 ? Ce serait 6 ? C'était 6. Ok. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, je te suis moi ! C'est par là qu'il faut aller ! Ah bah merde, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas suivi. Aider Jack à atteindre le sous-sol. Jack? Je suis. Et vas-y. Y'a quelqu'un? Merde. Je vais te faire la peau. J'ai rien senti. Hop, oula. Dégage! What? Qu'est-ce qui m'a fait aussi mal? Il y en a d'autres? Oh la vache! Ok. Ok. Ok, je le vois. Merde, il a dépassé. Bien joué. Oh putain. Il y a des mines. Jambière gauche en métal. D'accord, naze. Oh, ça aurait été tellement con d'y aller au cac. Et pouf! Plus personne. Bon, allez, on y va. Je te suis, l'ami. Ok. Putain, les dégâts qu'ils m'ont fait, c'est incroyable. Des pinceaux pour repeindre, d'accord. La terre ébrantine. Un Medix. Scotch. Hop. Cette aile n'a jamais été utilisée. Personne n'a mis les pieds ici depuis des décennies. Qui sait ce qu'on risque d'y rencontrer. Y'a pas de coffre. Allez go. On y va. Alors. Allez. Gah. Voilà. Quel chaos. J'espère que nous trouverons un moyen de passer. Le monte charge est au niveau inférieur. Venez. Pourquoi, Lefty? J'en ai marre d'attendre. Cet endroit me fout les jetons.
Comment tu veux que je sache? Il nous dit jamais rien. Ils sont plutôt bien défendus, les petits mercenaires. Ouais, c'est pas vraiment la promenade de santé qu'on avait prévue. Y'a plus rien. Qu'est-ce que... Si on est moins nombreux, qui est là? Ça veut dire qu'on aura une plus grosse part. Si hey, mais ouais, t'as raison. Je m'en fous que tu sois déjà mort. Attends. Hein? Tu vas morfler, connard. Non, je suis aveugle. C'est ce qu'ils appellent tout le monde. Dégage, putain. Ok. Où est-ce qu'il est? C'est pas chier. Voilà. Mais crève, putain. Out of order. Tu l'as eu ou pas? Il l'a eu, tant mieux que mal. Ils font vachement mal quand même. Porte déverrouillée, avancez. Hop, c'est pas très dur hein. C'est bon. Ok. Du psycho, du radix. Oh, y'avait même des gamins là-dedans, putain. C'est tout mon temps, moi. Tout ton temps, bah tant mieux pour toi, écoute. Ok. Quoi, ça mène à rien. Bon bah on descend. T'en as pas marre? Effectivement, il y a des gens qui sont pas descendus par là depuis très longtemps. Hein. Un homme à terre. Oh la vache, mais ils me font tellement mal. Tiens, on va utiliser ça. J'ai fait ça toute ma vie. Tu crois que ce sera différent avec toi? Ok. Oh. C'est très très moche ce qui se passe devant moi. J'ai trop de choses pour pouvoir courir. Ça tombe bien, j'ai de la bouffe à chier. Ok. Sans ça, c'est la peur. La peur. Mais t'as cru, ma grande? Hop. Il me saoule aller au-devant des choses comme ça. What? Oh, pff, mais quel homme! Ok, oh là, je dois te crever aussi, moi. Bon. Ok. Toujours en vie, la vache. Ok, c'est... C'est con. Tu te pousses, Kanigou, s'il te plaît. J'espère que ça vaut le coup, ce que t'as sur toi. Oh merde, il est rentré par le mur celui-là. Ah, Kanigou, t'es saoulant. Ok. Déverrouiller novice. Très grand. Aïe. Voilà. Ouais. Du psycho. C'est pour ça qu'il m'intéresse, je l'avoue.
Help me! Oh putain, c'est pas glauque ça. Espèce d'enflure, rends-toi! Bonjour. Oula, ils sont pas tout jeunes ceux-là. Ok. Nous n'avons pas de temps à perdre avec ça. On a déjà buté tous les autres. Pourquoi pas toi? Forcément, oui, je suis enfermé là. Pousse-toi, Kanigou, merde. Kanigou, tu fais chier! Oh. T'aurais mieux fait de filer. Relève-toi. Ok. Ici, il y avait... Rends-toi, j'en finirai vite fait. Strictement rien, je comprends pas ce qu'il a fait avec la canne à pêche, mais bon, pourquoi pas. Là, il y avait un malade mental. Domino Day! Et qui cachait de l'alcool. Écoutez, on a tous nos vices, hein. Je commence juste à m'échauffer. Pistolet à seringue, la deuxième, tiens, non. Scanner biométrique. Hé, hey, Kanigou, hey. Regarde, viens voir, je vais te montrer un truc. Tu vois mon bordel? Bah, tu vas en prendre un bout. Ouais, si, je te promets, tu vas en prendre un bout. Ah, par exemple... Hop, tiens, tu vas me prendre deux mains d'écorcheur, du carburant, deux plaques chauffantes, le scanner biométrique. Allez, gros dur, amène-toi. T'as sauté? D'accord. Bonté divine. Bon, bah écoutez, n'ayons pas peur, hein. Ok. Encore! Encore! Nous ne pouvons pas nous laisser submerger! Oh le malade! Mon bras! Ah, tu vas me le payer! Ah. Oh la vache, ça fait tellement mal! Grosse erreur, Toka! Par contre, ma fille est rentrée dans le. Le temps à perdre avec ça. T'es littéralement rentré dans le mur. Putain, mais elle fait tellement mal, c'est pas croyable. Oh la vache. Tu me fais pas peur. Oh putain, mais. Ma tête. Tu vas me laisser te tirer dessus, bordel à queue. Tiens. T'as déjà entendu parler de double tape? Pourquoi j'ai pas eu les... Ah, merde. Ouais. Un naze encore, cette truc. J'ai pas eu l'impression d'avoir eu l'XP. Coffre fort. Bon. Ok. Génial. Les armes de fortune, comme toutes les autres, on les laisse. Ici, on a quoi? Des chewing-gum. Des chewing-gum. Ok. On y va. Panneau d'ascenseur, on y va, on descend. Alors, est-ce que l'autre va se téléporter? Alors. Où est-ce que j'y suis allé tout seul? J'y suis allé tout seul. C'est bête, hein. Quelle est moche cette ampoule. Hello. Yo. Oh. Capsule, pourquoi pas. Brosse à cheveux de luxe. Si vous voyez quelqu'un, ouvrez le feu immédiatement. Nous devons à tout prix les empêcher de libérer Lorenzo. Vendu.
Vendu. C'est parti, je suis prêt. Allons-y. S'ils parviennent à libérer Lorenzo avant que nous puissions les arrêter, je préfère ne pas penser aux conséquences. Ouais, ouais. Je trouve ils l'ont déjà libéré, alors s'il te plaît, va ouvrir la porte. What? Oh non. L'armée de bonshommes là-haut, et ils arrivent encore à laisser passer ces deux baltringues. Allez, bordel, ouvrez-moi cette porte. Salut, Jack. Les imbéciles essaient de couper le champ d'Abraham Elin. C'est la seule chose qui empêche Lorenzo de s'échapper. Il faut à tout prix les arrêter. Salut, Jack. Ça faisait longtemps que tu ne m'avais pas gratifié d'une visite personnelle. Oh putain. Père, il est temps de mettre un terme à tout ça. Mes pouvoirs ont évolué, Jack. J'ai encore beaucoup à apprendre de l'artefact. Je serai heureux de t'enseigner tout ce que je sais à mon tour, quand je serai libre. Vous savez que je ne peux pas vous libérer tant que je n'aurai pas extrait l'artefact. Mm-hmm. Voyons voir. Par les moustaches de Lucifer. Par les moustaches de Lucifer. De sécurité. Je vais devoir les ouvrir une par une d'ici. Pendant que vous continuez à progresser. Vite, allez-y. C'est cela. Vous devez neutraliser le champ de confinement afin d'ouvrir la porte. Ah merde. Ils ont ouvert les portes de sécurité. Grouillez-vous. C'est bien. J'ouvre la porte. Continuez à tourner dans le sens inverse des aiguilles. L'argent d'Abramelin a été désactivé. Je suis consterné devant votre incapacité à accomplir la plus simple des tâches. Putain, il me rush dessus. Non. Être libre. Hop, sérum mystérieux, il en avait sur lui. L'âme furtive, je prends. Tu vas crever, t'entends ? Nous n'agissons pas maintenant, rien ne pourra l'arrêter. Ok. On peut encore l'arrêter, mais il faut faire vite. Il Où ça ? Trop tard. Il lui faudra un peu de temps pour retrouver toutes ses forces. Nous avons encore une chance de l'arrêter. N'écoutez pas mon fils. Comme vous l'avez sans doute remarqué, il n'a pas toute sa tête. Regardez un peu ce qu'il m'a fait. J'ai installé un système d'urgence dans l'enceinte de confinement. Passé les quatre générateurs d'Abraham Elin en mode commande manuelle. Et je pourrais inonder sa cellule d'une dose mortelle de rayons Zeta. Faites le bon choix. Ouvrez cette porte et laissez-moi sortir de cette prison. Hum. Je vous en prie, ouvrez la porte. Bon, allez. Oui, activez les trois autres générateurs. Je pourrais mettre un terme à tout ça. Qu'ils continuent à vivre, je sais ce que ça fait d'être vieux. J'ai 200 ans, ils en ont 400. Faites ce sont le bon mes aînés. Choix. Laissez-moi sortir d'ici. Techniquement, ce sont mes aînés. Repensez à tout ce que Jack vous a dit. À votre avis, qui semble le plus fou de nous deux? Tiens. Ça y est, ne vous inquiétez pas, les rayons Zeta n'auront aucun effet sur vous. Pardonnez-moi, père. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour éviter ça. Je crois même que j'étais sur le point de trouver le moyen d'extraire l'artefact. Menteur! Tu ne voulais qu'une chose, me laisser moisir ici et profiter de mon pouvoir pour l'éternité. C'est la voix de... Misérable Hansel Jack dans... Tu crois vraiment pouvoir me détruire? Borderland. Adieu. Adieu, père. Ah non, je voulais le casque. Bon, bah j'ai ça. J'ai sa bouffe, génial. Oh! Le chirurgien du Massachusetts! Voilà. Ouais, génial! When we finally kiss goodnight! Soupe de légumes. Oh, la bonne soupe.
Oh, la bonne sous-soupe. Bon, vous l'avez tué. Bien joué. C'était votre père quand même, merde. T'as peut-être une ou deux autres solutions, non? Sérum mystérieux. Oh ouais. Oh ouais. Oh et ouais. Voilà. Oh ouais. Refais ce brûlant encore une fois. Yo. Salut. Nous n'avions pas d'autre choix, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Ce qu'il aurait fait s'il avait réussi à s'échapper. Il nous aurait tués, nous et toute ma famille. Et ça n'aurait été qu'un début. Les crimes qu'il a commis quand il était en liberté. Sans les relations et l'influence de ma famille, c'est la chaise électrique qui l'attendait. Oh, carrément. Le monde d'aujourd'hui est un véritable paradis pour les monstres comme lui. Rien ni personne n'aurait pu l'arrêter. Non. J'ai répondu à ma propre question. Nous n'avions vraiment pas le choix. Et maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais enterrer mon père et fermer définitivement cet endroit. Je ne reviendrai plus jamais ici. Avant que vous partiez, je n'y serais jamais arrivé sans votre aide. C'est gentil. Je pense que c'est une juste compensation. Je n'aurai plus besoin de vos services dorénavant. Je mérite mieux. Je vous ai sauvé la vie et celle de toute votre famille. Je pense que je mérite un peu mieux. C'est vrai, vous avez raison. Je suis encore sous choc. Laissez-moi réfléchir. J'étais à deux doigts de comprendre enfin l'artefact. Mais maintenant que je peux l'étudier directement, je pourrais peut-être en faire quelque chose d'utile. Revenez me voir à Cabot House dans une semaine ou deux. Mes longues années de recherche n'auront peut-être pas été vaines, finalement. Ah, en voilà une vraie récompense, chers amis. Non, Dodge. Bon, niveau 26 quand même, hein. On a deux niveaux à mettre d'ailleurs. Merde, j'ai pas fait attention. Fanat d'armes, d'accord. Alors, voilà, je voulais faire ça. Je voulais mettre ça. Il est temps de montrer à tout le monde qui est le patron. Vous pouvez tenter de pacifier un adversaire humain d'un niveau inférieur au vôtre en pointant votre arme sur lui. Bah alors ? Confirmez le choix, oui. Pardon. Vous pouvez l'inciter à attaquer. Vous pouvez lui donner des ordres précis. Alors ça, je trouve ça un petit pas assez RP, en fait, entre guillemets. Je peux très bien ne pas l'empêcher de m'attaquer moi, mais l'inverse, enfin, pas aller trop loin non plus, quoi. Hop, voilà, et fanat d'armes niveau 3. Et au niveau 4, je pourrais mettre des silencieux sur mes armes, par exemple. Ce qui sera clairement intéressant. Si vous maintenez votre touche mousse 2 et appuyez sur E. Ah! J'ai envie d'essayer. Franchement, j'ai envie d'essayer. Je vous le dis, chers amis. J'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'essayer. Hop, allons-y. Remontons. Pourrait devenir hostile. D'accord. Ah, c'est pas bête, hein. C'est bien fichu. C'est bien fichu. C'est pour ça que je voulais pas mettre de points où j'aurais 10. Hop. C'est pas mal, hein. C'est pas bête. Je confirme. Ils ont bien fichu leur truc, normalement, si ça marche bien. Oh merde, il s'est enfui. Bon, prenons le chemin dans l'autre sens, alors on va essayer de se retrouver là-dedans. Ouais. C'est par où? Il perd pas la main, hein. Par là, on l'avait fait, c'est pas dans le bon sens, c'est plus par là, je pense. Ouais, on y est. Parfait, sortons. Hop. Le modèle Mr. Gutsy de General Atomics International et la contrepartie militaire du robot domestique Mr. Andy. Alors, je vois pas trop de différence entre les deux, hein, si ce n'est qu'il y a une peinture verte. Alors. Ah oui, il fallait qu'on ramène ça à la maison aussi. Hop, ah bah c'est ce qu'on va faire, tiens, on va la ramener. Ça va faire 4 armures à la maison, ce qui n'est pas rien. Ouais, on est short niveau quantité, hein, d'énergie. Heureusement, il n'en a rien à foutre.
Il va quand même faire les 8 millions de kilomètres qu'il aurait dû faire en... qu'il aurait pas dû pu faire en déplacement normal. C'est là que c'est un petit peu débile, je trouve. Mais bon, on va aller peut-être améliorer un petit peu nos armes, on va voir ce qu'on peut faire comme amélioration exactement. Maintenant, surtout qu'on a passé Fana d'armes niveau 3, ça peut être intéressant. Alors, Sanctuary. Une, deux armures, une troisième ici. Hop. On les gare correctement quand même. Hop. Voilà. Vous savez quoi? Depuis notre conversation, je me sens en pleine forme. Nous deux, à Sanctuary, parés pour l'avenir. Modifié. Canon à 11 états, parabole de renforcement. Canon à 11 états. La pistolet gamma, et là c'est un fusil Zeta. Et je vois pas la différence. Poignée de tireur d'élite, oui, je trouve pas que c'est tant tireur d'élite que ça, mais. Une bouche, une antenne, transmission électrique. Ouais, je sais pas vraiment si cette arme est cool. Ah oui! Toi. Avec ta culasse 50. Oh putain. Canon long à ouverture. Pas beaucoup d'aluminium, ça fait chier. Hop. Ah, je peux le mettre maintenant. Ils m'ont pas dit grand chose chez Volt. Ok. Juste de m'assurer que tout le monde remplisse bien son formulaire. J'étais censé voilà. Gagner un jeu de couteau. Là, il commence à être stylé ce flingue. Modifié. Comment on va l'appeler? Désolé, mais je ne serai pas de très bonne compagnie. Sifflement. Hop. Couteau de combat à lame furtive. C'est quoi que ça fait ça? D'accord. Ok, donc on va ranger quelques petites saloperies quand même dedans. Devenu sniper, on peut le ranger. Fapman, on peut le garder. Fusil pulseur. Fusil Zeta, je le range. Autorité des justes, d'accord. Mine frag, je peux la ranger. Tout de combat, je peux le ranger aussi. Déjà ça. Hop, là on gagne aussi un petit peu d'espace. Au niveau d'ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des nouveautés ou pas? Non. Ok, on n'a pas grand chose de vraiment épique. Colonial Duster, ça a l'air sympa ça. Armurier rang 2. Azmatsu, ça m'intéresse pas. Oh. Celle-là aussi, elle a l'air stylée. Ah, c'est cool. C'est cool. On avait installé aussi à l'intérieur, normalement. Donc, j'ai remodifié, comme j'ai réinstallé le mode, j'ai remodifié certaines petites choses. Vous allez voir. Hop. Du coup, on a accès à un peu plus d'armes. Je peux en crafter un peu plus moi-même. Alors, où est-ce que je voulais vous montrer ça? Voilà, les blades, voilà. Donc là, on a le couteau, le cran d'arrêt, la machette, voilà, et l'éventreur. C'est donc un éventreur qu'on pouvait crafter.
Hop. Peut-être falloir qu'on se les fasse, les gangbox. Si un jour il y a un mode avec la tenue de Rocky qui sort, je pense qu'on se le fera. Par contre, j'ai bien envie d'utiliser un petit peu cette arme sur certains ennemis. Hop. On va aller voir par là. On verra bien. Hop. Le modèle ouvrier de Protectron a été conçu pour encaisser des dégâts. Sa version est également équipée d'une clôture interne qu'elles peuvent utiliser en combat. Oui, c'est elle les versions, d'accord. Ok. Ça tiroille. Vache, oui, ça tiroille. Je ne suis pas là, pas là, pas là, je ne suis pas là. Faites comme si vous ne voyez pas. Oh, il y a une mine là. Oh! Coffre-fort déverrouillé maître. Je me suis rappelé de celui-là en fait au moment où on est arrivé et que j'ai vu. Que j'ai vu la, les voitures. Entre guillemets, la zone. Ah. D'accord. Et ben voilà! Ça y est. Hello! Je peux pas pacifier une goule, hein. faut pas rêver non plus. Ok. Merde, fait chier, j'aurais bien aimé le pacifier lui. Bon, on va attendre un petit peu, on va voir si on peut pas trouver d'autres. Hop, on va attendre ça. J'aimerais en pacifier un avant de finir la vidéo, si possible. Ça serait sympa. Putain, c'est Canigou là-bas. Merde, qu'il est con. Qu'il est con ce canasson. Non, c'est pas un canasson. Ah oui, alors ça, c'est le mec qui tire là-haut parce qu'il a des goules sur la gueule. Est-ce que je vais pouvoir grimper là-dessus? Peut-être là, oui. Non. C'est fini pour toi, enfoiré. Ah, on l'a bouclé une seconde. J'ai entendu quelque chose. Encore les gentils qui gagnent. What? Ok. En moins, je suis déjà venu là. C'est quoi ce bordel? Allez, montez. Mais ou pas toi? Je dois devenir dingue. Ça devrait pas être. Ok, il doit être tout seul le pauvre garçon. Les mains en l'air. Eh oh, eh oh, du calme. Tirez pas. Alors hey,
Je t'ai pacifié, mon Mouduglan. Non, non, là, ça va pas le faire. On se calme, tête de nœud. Merde. Tu te casses. Alors. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est bon. Pas la peine de s'énerver. Ne me faites pas de mal. Tu restes là. Ok. Merci pour ton... Hop. Pour toucher pas trop quoi en fait. Mais merci quand même. Ah, il avait pas de... Dommage. Bon, je vois que ça repop par contre tout ça, c'est cool. Oh putain, elle m'a foutu les boules. Salope. Putain, elle m'a foutu vraiment les boules. Ah. Oh. Saleté. Putain. Bon. Au final, on aura réussi à pacifier quelqu'un, chers amis. Si ça, c'est pas la classe. Bon. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Pérou, vous faire trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer dans l'épisode vers mon partenaire GamesPlanet.com qui m'a gracieusement fait le jeu et je les en remercie. J'arrive pas à le faire très vite, hein. Falloir que je m'entraîne. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures et à demain pour un autre épisode de Fallout. Et yop. S'il se passe quelque chose. Il se passe rien.